Bon jeudi matin, mesdames. C'est l'heure de la pause créative. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais me brancher. En tout cas, du moins, essayer de me trouver. Tadam! Super, je mets les commentaires. Alors, ce matin, c'est une carte assez joyeuse parce qu'il va y avoir plein de couleurs. Et puis, ce sera une carte de remerciement. Ça va être une slim card, une carte faite en long. Et puis, j'avais le goût de mettre de la couleur dans ma carte. Bonjour, Jacinthe. Alors, bonjour, Suzanne aussi. Yeah! Alors, je vous démontre ça à l'instant, qu'est-ce que j'ai à vous proposer ce matin. Puis, j'espère qu'encore une fois, ça va pouvoir vous inspirer. Bonjour, Monique. Alors, je tourne ma caméra. Voilà, voilà. OK. Toujours le fait de... On va se placer. On va se placer dans le centre, à peu près. On va juste danser ça. Oh, bonjour, Louise. Super. Alors, le jeu des tempes que je me sers, en fait, c'est Amazing Silhouette, mais c'est pas ça qui est l'accent. Alors, l'accent, c'est pas mis sur ça du tout. Ça va être plutôt les découpes qui viennent avec. Alors, les découpes, on est capable d'écrire le mot « tu es admirable » et on a aussi le mot « attention », on a aussi le mot « merci ». Fait que dans les découpes qui viennent avec, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mot « merci » en gros contour, puis on l'a en plus petit qu'on est capable de positionner par-dessus, tout simplement. OK? Alors, donc, on va commencer... Ah oui! Autre chose que je vais utiliser, je vais juste enlever mon masque. Donc, ce sont les bordures incontournables. Oui! Le poinçon bordure incontournable. Et il se retrouve au nouveau catalogue. Yes! Parce qu'il fait tellement des belles choses. Ça, c'est un carton brouillon dans lequel je m'étais servi pour faire un masque de nuages. Et pour la carte aujourd'hui, je me suis servi de cette pointe-là. Puis vous allez voir comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de ça. Je vais juste vous démontrer quelques affaires. Les petits merci, je mets ça de côté. Ça aussi. Et je voulais aussi vous faire découvrir. On a des enveloppes. Attends un petit peu. On a des enveloppes pour les cartes slim, les slim cards. Fait que l'enveloppe est déjà faite, juste un beau petit motif à l'intérieur. Puis on a trois couleurs. Fait qu'on a du blanc, puis on a du, je dirais gris granit. Fait qu'on a trois couleurs qu'on peut se servir, tout simplement. Puis tu sais, le blanc, c'est en noir. Puis le gris granit à l'intérieur, c'est un petit gris. Fait que c'est super cute. Fait qu'à la place d'avoir à se faire nos propres enveloppes, ben elles sont déjà faites et oui, elles reviennent au prochain catalogue. Alors, super pratique à avoir. Donc, pour ma base de cartes, là, je vais avoir pas mal de collages à faire avec vous. Ma base de cartes, là, c'est un 8,5-11 que j'ai coupé. Fait que ça, c'est à 7 pouces. Donc, sur le côté 8,5, côté 8,5, j'ai coupé à 7 pouces, puis après ça, 3 pouces et demi. Ce qui fait que je prends l'enveloppe blanche. Fait que gardez, c'est juste parfait pour rentrer ça là. OK? Ça, c'est ma base de cartes. Ensuite, je veux juste pas mélanger mes petites couleurs. Ensuite, ça, c'est un carton qui est un petit peu plus petit que ma base de cartes. Fait que c'est à vous de voir quel jeu vous voulez le laisser tout autour. Fait que j'ai fait à peu près un quart de pouce plus petit, ce qui me laisse un petit jeu chaque côté. OK? Fait que je vais avoir mes morceaux que je vais coller sur ça directement. Alors, on y va. Dadam. Je veux juste... Voilà. J'ai fait mes morceaux. Fait que ce que je voulais vous montrer qu'avec ça, c'est que quand j'ai coupé mes morceaux,
Ben des fois, je mettais le pic dans le milieu, en haut, plus en bas. Fait qu'on peut jouer avec les hauteurs de la coupe qu'on veut faire. Bon, on va se rentrer ça comme il faut. Fait qu'on a ça. Super. OK, je voulais juste te voir. Super. Alors, j'ai pris mon bac de retaille. Moi, j'ai un gros bac dans lequel j'ai des chemises, des fiches. Puis, je mets toutes mes retailles là-dedans. Fait que je suis allée comme une après l'autre. Ils sont classés par ordre de collection. Fait que je suis tout simplement allée au pif comme ça. Fait que, regardez bien ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le premier, ce qui est dommage, c'est que finalement, là, celui que je mets au bout, ben, j'aurai pas les pics comme ça, ou bien très peu, si j'essaye de même. Non, c'est ça. Fait que mon premier morceau que je vais coller, ben, en fait, je verrai pas la petite découpe du pic. J'y ai pensé après, mais c'est pas grave. Fait que, on est à peu près comme ça. Fait que je m'en viens comme ça. Vous voyez que ça dépasse. C'est le but. On commencera pas à mesurer pour être super égal de tout, là. Fait que ce que j'ai à faire, c'est de juste mettre les morceaux un par-dessus l'autre et puis de coller ça un après l'autre. C'est sûr que j'aurais peut-être pu commencer mon collage, mais tu es occupé à faire d'autres choses, là. Fait que je m'assure qu'on ne voit pas de blanc. OK? Fait que si je mets mon papier comme ça, j'essaie d'être bien droite. Hein? Je suis droite comme ça. Fait qu'ici, là, je m'en viens suivre mes lignes. Fait que comme ça, je vais m'assurer d'être super droite. En fait, je pourrais ne pas mettre de colle là. Je pourrais juste mettre de la colle tout simplement sur mon carton blanc dans le milieu. Ça pourrait très bien faire la job. Puis là, ben, c'est à moi de voir si je veux m'en aller vers le haut, vers le bas. Et ici, j'essaie de rester comme il faut. Ouais, je pense que finalement, je vais venir mettre de la colle juste comme ça. Alors, ce morceau-là ici, lui, il fit pas mal juste là. Puis j'avais un morceau, puis je voulais pas ouvrir une grande page pour ce petit morceau-là que j'ai, fait que je vais juste couper dans le bas mon morceau, tout simplement. Lui aussi, je pense qu'il est pas mal juste. Ouais, c'est ça. Fait que lui, on va le mettre comme ça, puis on pourra couper après. On pourra juste couper comme ça, juste être quand même sûr. Là, je vais mettre mes quatre prochains, juste pour me donner une idée de comment je peux empiéter sur chacun. C'est ça, ça va être pas mal là, pas mal comme ça. Puis celui-là, on a pas mal de la pédale. OK, c'est good. C'est good, good. Fait qu'on va se mettre... En fait, que je mette de la colle tout le long, là, ça change rien. Là. Lui, je vais le mettre vraiment vers le haut. Fait que toujours être bien sûr de... Ouais, il y a de la colle. Être bien sûr que mon morceau est bien droit. Puis que je vienne tout simplement m'aligner avec les lignes, hein, pour être sûr. Fait que lui, je vais le mettre le plus au bas possible. On est comme ça ici. Fait que vous doutez que hein, le plus long dans toute cette affaire-là, ben, ça a été de couper mes petits morceaux. Mais quel plaisir que ça l'a été. Pas plus grave que ça. Lui, il faut vraiment que je le tasse. On est pas mal égal là. Puis ça va s'en venir là. Hey, super! Super, super. Fait que lui, je vais le mettre un petit peu plus bas. Et lui, c'est pas compliqué. Je viens suivre mon carton sur le côté. Tiens! Hey! C'est beau, hein? Bon, là, excusez, là, je vais juste essuyer un petit peu mon espace de travail. Étant donné qu'au début, hein, vous avez vu que j'ai commencé à mettre de la colle sur l'endos de mes cartons.
Mais le meilleur moyen, c'est vraiment de mettre de la colle sur ça. Fait que, on va couper ça et... Je dois vous dire que quand j'ai des coupes de papier plus épais, je me sers de ma grosse, ma grande tranche comme ça. Fait que vu que ici mon rebord est bien comme faut, juste voir, j'ai un petit espace ici à couper. Fait que comme ça, puis on va juste se tasser un peu. Tiens, c'était quand même un petit peu plus épais. Fait que ça ici, c'est pas mal au rebord. Fait que on va s'aligner avec ça ici. Et voilà. Puis on va juste venir finaliser notre coupe comme ça ici. Tiens, bien droit. All right. Whoop là. Bon. Notre frame y est fait. Fait que vous comprenez que j'aurais pu faire des petits nuages. Hein, avec ça, là, tu sais, j'aurais pu faire des genres de courbes. J'aurais pu faire ça ici, le petit côté festonné. J'aurais pu faire plein de petits nuages. Tu sais, tout aurait bien fonctionné. Et j'aurais pu aussi le faire dans l'autre sens. Mais ça aurait été un petit peu plus compliqué parce que mon carton, il est plus large. Mais mettons qu'on se prend une carte normale. Bien, à ce moment-là, on est capable de faire dans l'autre sens. Super, ça! OK! Fait que, il y a des découpes comme ça, des fois, que ça peut servir à faire des belles bandes, à faire un joli rappel. Juste faire une petite bande festonnée, ça aurait pu être cute. Bon! OK! On en vient avec notre vœu. Notre vœu de merci que je vais vouloir tout simplement mettre par-dessus. OK? Et pour ce faire, je vais venir utiliser mes découpes. Ça, je vais mettre ça de côté, OK? Alors, ici, ça, ce sera ma découpe en noir. Hein? Le noir, il va être en dessous. Et boy, j'ai coupé mon morceau. Celles qui me connaissent, hein, vous savez des fois que je suis... oui, j'essaie d'économiser. Des fois, on pourrait dire, ben franchement, France, c'est too much. Mais je prends souvent mes retailles. Pis c'est comme ça que je finis par économiser comme sur mes papiers puis que ça me permet d'acheter d'autres choses. Donc, ici, quand ça rentre, là, ça rentre. Moi, je prends pas des gros morceaux pour couper juste une petite affaire. Et ce que je voulais, c'est vous faire découvrir, si vous connaissez pas ça encore, les feuilles adhésives en mousse. Regardez, une belle épaisseur, puis c'est collant des deux bords. Fait que ça vient faire comme un gros dimensional. Alors, c'est le fun parce qu'on est capable d'avoir la forme exacte qui va être en dimension, tout simplement. Fait qu'à la place que je découpe ça, puis je mette des petits mini points en dessous puis que ça tienne so-so, tout le morceau, toute la découpe, elle va être en dimension. Donc, comment on fait? C'est que je me suis pris un petit morceau. Hein? Regardez, là, j'en ai des morceaux... Mais gardez-les parce que des fois, on peut avoir besoin juste d'un petit bout, dépendamment de la découpe qu'on fait. Est-ce que vous connaissiez ça, Oh, mon Dieu, il y a des dames qui sont arrivées. Bonjour, Josée. Bonjour, Sylvie. Merci, Monique. Alors, ce qu'on fait avec ça, bon, on va l'avoir dans le bon sens. Fait que j'ai mon morceau, puis j'ai mon morceau de carton blanc. Fait que je lève... Le premier collant, je colle mon carton dessus, hein, puis c'est ça que je vais venir découper. Encore une fois, c'est un peu, c'est un peu juste, mais bon, je vis avec ça. Tiens, on va juste venir se coller ça comme ça. J'amène ma machine de découpe. Allez, hop, machine de découpe. Fait que je vais mettre mon merci. Celles qui me connaissent, vous savez que moi, je fais mes découpes avec la découpe vers le haut. Ça permet que ma plaque en dessous, elle reste belle pas longtemps. Très, très, très longtemps. Alors, je mets ça comme ça. Et
Malgré que c'est épais, vous allez voir que ça se découpe vraiment, vraiment bien. J'aime mieux passer deux fois, un aller et un retour. Comme ça, je suis certaine que ma découpe, elle s'est bien faite. Voici ce que ça donne. Hein, les petits post-it que je me sers, là, c'est facile de les réutiliser. Fait que la découpe du gros merci, là, ben c'est ça que ça fait. On pourrait juste prendre ça, hein? Ça pourrait. Mais on va se servir des deux. Fait que là, je vais vous montrer ce que ça va donner avec ça ici. Fait que je m'en viens enlever ma découpe. Puis voyez-vous que j'ai mon mot merci. Puis ça s'enlève quand même bien. Là, quand on enlève nos morceaux, souvent le papier collant en dessous, il s'enlève. Fait que, de toute façon, il va falloir qu'on l'enlève. Fait qu'on y va quand même délicatement pour pas briser nos lettres. C'est quand même plus délicat. Fait que là, c'est super collant en dessous. C'est pas beautiful, ça? Puis, attendez. Juste ôter le petit poêle. Le petit poêle qui colle. Puis, j'essaye de ne pas me le coller sur le doigt trop. Tiens! Bonjour, Andréane! Wow! Long time! Alors là, il va me rester à coller mon blanc par-dessus mon noir en faisant super attention pour être le plus dans le milieu possible. Fait que, tenez-le d'un bout. Essayez de bien vous aligner dans le centre. Puis là, ben vous... Là, ça colle. Je vous le dis, ça colle. Que on s'aligne. Puis on vient faire comme une lettre après l'autre. Juste pour être sûr, parce que, tu sais, je veux dire, ça bouge un peu, hein, comme de raison. Tiens, ici, on va juste le tasser comme ça. Hey, ça flash-tu pas, hein? C'est beau! Fait que ça, les petits poils là, qui dépassent, là, on vient te recoller ça sur le bord de même, là. Hey. Excellent! Ta-dam! Fait que les deux découpes, tu sais, oui, on peut prendre juste celui-là, oui, on peut prendre ça ici. Ah, super, Andréane, je suis bien contente. Hein, t'es une fille super créative, toi aussi. Alors, on a notre merci. Donc, tout aussi simple que ça, ça va venir sur la base de cartes. On va avoir notre merci. Et là, je juge que je crois que ça prend de la ficelle. Hein, une belle ficelle blanche parce que c'est ce qu'on veut faire ressortir. Puis là, regardez bien. Je ne vais pas faire le tour en arrière parce que tant qu'à moi, c'est perdu. Fait que j'en mets deux. Ah non, j'en mets trois. Vu que je ne passe pas en arrière, là. Je m'en permets, puis je me dis, il va en avoir un petit peu plus en avant. Fait que voyez-vous que je dépasse un peu de chaque côté. On va venir se mettre un beau petit double face au bout pour coller notre ficelle en arrière. Tu sais, j'aurais pu prendre ma ficelle. Voyons. J'aurais pu prendre ma ficelle, faire le tour de la carte, mais j'aurais gaspillé, d'une façon... cette même quantité de ficelle-là pour ce qui est de l'arrière. Fait que... Néo. Bon. Puis là, que ce soit d'un bord ou de l'autre, à côté, ici, c'est pas grave. La seule chose, c'est que je garde ma ficelle qui est toute twistée. Quand même. Bon. Ouais, twistée, oui puis non, là. Il y a quand même une petite limite, là. Bon. Je veux qu'elle se croise, mais je veux qu'on la voit, comme ça ici. Fait que, on la garde bien tendue, mais on met notre papier en envers. Puis là, je m'aligne sur mes lignes, puis je sais que je suis à côté de la ligne centrale. Fait que, je m'en viens mettre mon collant au bout de ma ficelle. Puis, je suis à peu près. Je suis à côté, puis ici, je suis un petit peu à côté, c'est tiguidou. Fait que c'est juste pour dire qu'on s'enligne un peu, puis que ça s'en va pas carrément tout croche, là. Alors ça, la ficelle, là, vous le savez peut-être pas,
Ça vient en paquet de 5. Fait qu'on a blanc-noir comme de raison, puis on a un petit peu plus vanille, plus gris et plus beige. Fait qu'on a les 5, hein? Non, j'en ai pas laissé long en arrière. Pas plus que ça. J'ai pas besoin de plus que ça. Parce que ça va être collé anyway, hein? Moi, je suis un petit peu radical. Et ça ici, on va venir le coller. Là, je suis en train de me dire, ouais, France, bonne idée pour le blanc, où est-ce que je l'ai mis en dimension. J'aurais pu prendre le papier feuille adhésive. C'est la même chose que ça, c'est les feuilles adhésives en mousse. Il y a de l'épaisseur. Mais si j'avais pris feuille adhésive, c'est comme juste une petite pellicule, puis j'aurais pu découper en dessous. Mais là, je vais venir mettre juste des petits mini points de dimension, puis vous allez voir qu'on va se débrouiller. Merci, Andréane. Je vous l'ai dit, des fois, je suis cheap un peu sur qu'est-ce que je laisse dépasser. Aïe, 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 vous êtes drôle. Puis, ben, ça tient pareil, puis ça va être collé. Fait que oui, oui, oui. Ayez confiance, mesdames, ayez confiance. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai juste mis ça parce que je vais le coller par-dessus. Mais, to the bar, je vais coller mon panneau. Alors, avant de coller mon panneau, j'enlève mes deux petits papiers collants. Et on va mettre une bonne... je pense ma colle à la chèvre. Je pense que ça fait 2 ou 3 lives que je fais puis que je me dis à chaque fois, ouais, il va bien falloir que je m'amène une colle neuve puis que je la change. Et voilà. Mais je le fais pas. En tout cas, quand je vais vraiment rester pris avec ma colle, j'irai bien m'en chercher un autre, hein? C'est pas parce que c'est bien loin. Il faut juste que j'y pense. Je me laisse emporter un peu. Bon, alors ma base de cartes. On amène ça à peu près égal de part et d'autre. Pas mal bon, ça, je pense. Yes. On fait attention parce qu'ici, il y a du double face. Fait que quand ça colle, ben ça colle. Alors, c'est juste ça qu'il faut qu'on fasse attention. Super doux. Bien droit, bien droit. Fait qu'ici, on va enlever nos petits pitounes, petites pétounes, parce que ça va être comme par-dessus la ficelle. Fait que c'est pour ça que j'en ai mis en haut puis en bas. Je vais tenter que la ficelle, elle passe à travers. Puis moi, je pense que... Oups, là, je vais m'élever debout. Je vais essayer d'être bien droite. Mon petit point, il est là, puis il est là. On y va avec le merci. Hein? Pas mal bon, ça. Pas mal bon. Je pense que je suis pas mal fière. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on met comme bling-bling? Qu'est-ce que je mettrais bien? On a-tu bien des couleurs là-dedans? Pas tant, hein? Un petit peu de jaune orange. Je vais essayer de... Ouais. Laissez-moi donc voir qu'est-ce que je mettrais. Pas ça, pas ça, pas ça. J'aurais peut-être pu y penser avant. Oh! Oh, tiens donc! Tiens donc! Les petits pois en résine forment à loisir qui vont disparaître au prochain catalogue parce que on sait très bien que tout ce qui est papier design, tout ce qui est embellissement, ben en tout cas, si vous êtes comme moi, là, on aime ça quand ça change parce qu'on aime ça avoir des nouvelles patentes. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que, on s'en met un là. On va se placer un beau petit jaune avec un petit mini comme ça ici. Puis, ce côté-là, on va venir en mettre quelques-uns aussi, hein? Fait que, on pourrait retrouver notre petit rose. Parce que j'essaie juste que, tu sais, que ça fit ensemble. Si on essaye d'en mettre un tout petit ici, puis
Ce bleu vert-là. Ouais. Attends un petit peu. Là, il faut que ça fitte. Dong, dong. Dong, dong, dong. On va y aller comme ça. Parfait. Bon, ils sont en ligne. J'aime pas ça, mais c'est pas grave. C'est là que ça s'est en allé. Bah, c'est là que ça s'en va. Ouais. Question de finir notre enveloppe. Ça marche-tu? Je m'étais gardé des retailles. Ben, finalement, ça ferait. Ça pourrait être juste ça. Ça pourrait être juste celle-là. Parce que mes deux autres sont trop petits. Fait que ce que je fais, c'est que je m'aligne comme ça. Le petit bout qui dépasse, je viens juste le couper. On va se placer ça. On va se coller ça sur l'enveloppe. J'aime bien à faire un genre de rappel. Donc, l'ouverture est ce côté-là. Fait que je vais mettre ça ici. Si jamais on doit l'envoyer par la poste, ben on est quand même capable ici d'écrire. On a l'adresse qui va être là. Fait que ça vient faire un rappel. Puis là, pour l'intérieur de la carte... Ça, c'est deux morceaux. Ça se trouve être le négatif, hein? Voyez-vous que ça, c'était le morceau qui était comme ça. Puis comme ça ici. Fait que c'est quand même le côté négatif. Alors, moi, je pense qu'on va venir se positionner. On va venir se positionner. Ah, puis tiens, je vais le mettre en dedans de même. Pas pire, hein, ça? OK. Parfait. Lui, je vais le coller au complet, puis après ça, on découpera le surplus. Fait que, encore mieux, voyez-vous qu'on a gardé le côté positif et négatif. Puis je me garde un petit espace chaque côté. Parce que mon bleu va venir s'imbriquer comme ça, puis on aura juste à couper l'excédent. Je vais mettre mes doigts pour venir coller bien au bord. Mettez pas trop de colle là, sur le rebord. Là. Mettez-en pas trop parce que ça va déborder. Fait que... Moi, je pense que si je m'en viens comme ça, je suis peut-être juste assez pour que le pli se fasse bien. Tigidou, tigidou, on est correct de même. Merci, Louise! Ah, yes, super! Puis ça ici, on s'en vient couper ça. Toujours juste suivre votre carton, puis regardez où vous allez. Quand on coupe, on regarde où est-ce qu'on s'en va, pas où est-ce qu'on est en train de couper. En tout cas, moi, quand je coupe puis je regarde où ce que je suis, je m'en vais croche. Puis quand je regarde au bout, on dirait que ça permet de faire une belle ligne. Fait que c'est le fun parce que ça vient faire comme des quotes, des guillemets. Fait que ça permet, et ici, on a notre mot super top shape, puis on garde l'essence de la carte en ayant notre modèle comme ça, là. Ben oui, Andréane, t'es capable. Mais là, j'ai pas coupé dans le vide, là. Hein? Quand j'ai coupé bien droit avec mes ciseaux, là, on suit la carte. Hein? On s'accote, puis on y va tout doux, tout doux, tout doux. Wow! Hey, merci, Louise. Merci, Suzanne, pour vos bons mots. Fait que on avait ça que les étampes, je m'en suis pas servi. J'aurais pu faire des beaux petits papillons à l'effigie des couleurs à l'intérieur. Puis, je me suis servi de... Mes découpes de merci, merci, merci. Puis, yo, tu es adorable. Admirable. Tu es admirable. J'ai utilisé les découpes de contour ici qui sont toujours disponibles au prochain catalogue. Voilà. Et les formes adhésives en mousse. Super top shape. Ça, c'est un outil à avoir. Je tourne ma caméra. Merci beaucoup, Jacinthe, aussi. On stoppe, voyons. On se tape ça. Voilà. Je pense que, hein, elle a du punch, hein? Super! Excellent! Alors, un gros merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Trouvez-vous que ça sent le printemps? On dirait qu'on est en train de se réveiller d'une grosse hibernation. Ça fait du bien. Fait qu'on met de la couleur dans nos projets. Et puis, on apprend à se faire plaisir. Si nous, on est heureuses, on va rendre les autres heureux aussi autour, hein? Fait que,
Gardez-vous du temps pour vous. Ça peut être 15 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être tout petit, mais gardez-vous du temps pour vous. Fait que moi, je vous encourage, la créativité, ça fait du bien à l'esprit, au cœur. Puis quand on offre nos cartes, là, entre vous puis moi, là, hein, c'est le bonheur se transfère aussi. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si vous avez eu besoin de quoi que ce soit, hein, sur mon blog, sur mon site web, création encre et papier, faites une recherche, Facebook, il y a plein d'affaires, il y a des belles promos en cours, il y a toutes sortes d'affaires, puis il y a le nouveau catalogue qui s'en vient, qu'on est en train de vous préparer plein de belles choses. Fait qu'un gros merci encore une fois, passez une super belle journée, et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye bye!